Dans la Vienne, l'implication des élus locaux dans le développement énergétique du territoire est une réalité depuis longtemps, bien avant qu'il soit question de transition énergétique. En 1923, les communes de la Vienne décident d'unir leurs forces pour gérer leurs services de distribution d'électricité et de gaz et fondent le syndicat intercommunal Énergie Vienne. Il donne vie en 1925 à la Régie d'électricité de la Vienne qui répand la fée électricité dans toutes les communes du département. Puis viennent l'éclairage public, la haute tension et dans les années 90, un nouvel essor avec le développement des réseaux de gaz propane et gaz naturel. La régie s'est ensuite transformée en 2004 sous l'impulsion des élus. Elle est devenue une société d'économie mixte appelée Sorégie. Aujourd'hui, Sorégie est un acteur économique important dans la Vienne, avec 145 000 clients en électricité, particuliers, professionnels, entreprises et collectivités, 10 000 clients gaz sur la Vienne et 3 départements limitrophes, un mix énergétique de plus en plus renouvelable et vert, mais aussi une expertise conseil en économie d'énergie et un service clientèle de première qualité. Elle entretient en parallèle 55 000 points d'éclairage public. En 2005, l'entreprise créée Alterna, fournisseur national d'électricité et de gaz, regroupant une cinquantaine d'entreprises locales qui connaît un développement important partout en France. Puis en 2008, Boutineau, installateur de solutions variées et innovantes sur toutes les énergies, rejoint Sorégie. Pour anticiper la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables, les élus du syndicat Énergie Vienne créée dès 2001 une petite sœur à la régie, Sergie. Sa mission, construire et exploiter des unités de production d'énergie renouvelable, comme par exemple des parcs éoliens, des centrales photovoltaïques ou des unités de méthanisation. Aujourd'hui, Sergie est une entreprise publique de référence. 5 parcs éoliens en exploitation, 180 000 m² de panneaux photovoltaïques, une unité de méthanisation et 2 unités de biogaz et de nombreux projets à venir. Sergie permet d'injecter 15% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique des communes du syndicat Énergie Vienne. Son ambition est d'atteindre les 45% d'ici 2025. En 2008, la loi impose la séparation des activités réseau et fourniture d'énergie. Naît alors SRD, qui devient le gestionnaire des réseaux électriques pour les communes membres du syndicat. Concrètement, SRD construit le réseau de distribution électrique, l'exploite, l'entretient, le sécurise et le dépanne et le pérennise. Aujourd'hui, SRD, c'est 145 300 points de livraison desservis en électricité, 12 000 km de réseau, dont 7 200 en haute tension, un critère de qualité de fourniture 2 fois meilleur que la moyenne nationale. L'important développement de la production d'énergie renouvelable, plus de 3200 raccordements réalisés à ce jour, est aussi un réel défi pour SRD, qui a engagé des expérimentations Smart Grid pour faciliter leur insertion sur le réseau. Depuis plusieurs années, les entités du groupe agissent au cœur des enjeux de demain, en développant également un réseau de 130 bornes de recharge pour véhicules électriques, des opérations de financement citoyen pour favoriser le développement des énergies renouvelables, des actions sociales et solidaires qui profitent aux communes et à leurs habitants. Grâce à la dynamique insufflée depuis près d'un siècle par le syndicat Énergie Vienne, les élus locaux sont aujourd'hui totalement impliqués dans la politique énergétique du département. Aujourd'hui, le groupe Énergie Vienne, c'est 265 communes membres du syndicat actionnaires à la tête du groupe et une implication sans faille des élus dans toutes les instances stratégiques. Plus de 400 emplois non délocalisables dans la Vienne, 220 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidés et un plan de développement ambitieux. Plus de 600 millions d'euros d'investissement prévus dans les 10 prochaines années sur les réseaux d'électricité et de gaz et la production d'énergie renouvelable. Le groupe Énergie Vienne est un véritable outil industriel, sous le contrôle des collectivités locales, qui intervient sur tous les métiers de l'énergie et apporte des solutions globales, en privilégiant toujours la qualité du service.